qu'est-ce que je vais recevoir comme résultat ? Vous recevrez une feuille avec un résultat final encadré. Ce chiffre donne une idée du risque que votre futur bébé ait une trisomie 21. Par exemple, un résultat de 1 sur 1000 signifie que sur 1000 femmes avec les mêmes caractéristiques que vous, une seule attend un bébé avec une trisomie 21. Ce résultat ne dit jamais si le bébé a une trisomie 21 ou non. Et les autres chiffres, ils veulent dire quoi ? Vos résultats de l'échographie ou de la prise de sang sont comparés avec les résultats d'études sur un grand nombre de femmes enceintes. Pour l'épaisseur de la zone en arrière du cou appelée clarté nucale, on va comparer la mesure à l'échographie de votre bébé à celle mesurée le plus souvent pour les bébés sans trisomie au même âge de grossesse. Si la clarté nucale de votre bébé est plus fine que la valeur habituelle, le risque de trisomie 21 sera moindre. À l'inverse, si la clarté nucale est plus large, le risque sera plus élevé. Et les chiffres de PAP A et bêta-HCG, c'est quoi ? Ce sont des dosages utilisés pour le calcul de la trisomie obtenue grâce à votre prise de sang. On va comparer vos résultats avec ceux habituels chez les femmes enceintes au même âge de la grossesse. Deux dosages sont le plus souvent utilisés, la PAP A et le bêta-HCG. Si votre taux de PAP A et de bêta-HCG sont proches des valeurs habituelles, alors ils n'influencent pas le calcul de votre risque. Si votre dosage de la PAP A est basse et ou celui de la bêta-HCG haute, le risque de trisomie 21 est plus élevé. En revanche, si votre dosage de PAP A est haute et ou bêta-HCG basse, le risque est moindre. Sur votre feuille, tous ces résultats sont écrits sous forme de MOM. Si c'est plus de 1, ça veut dire que vos résultats sont plus élevés que ceux habituels des femmes au même âge de la grossesse que vous. Si c'est moins de 1 MOM, c'est que vos résultats sont plus bas que ceux habituellement mesurés. Alors, au final, on fait quoi ? On dit que votre risque est faible si votre résultat final l'estime plus rare que 1 cas pour 1000 femmes comme vous. Dans ce cas, il n'y a pas d'examen supplémentaire nécessaire. Le suivi du bébé se poursuit avec les échographies habituelles. On considère que votre risque est élevé si votre résultat final l'estime plus fréquent que 1 cas pour 50 femmes comme vous. Dans ce cas, nous vous proposerons préférentiellement un rendez-vous dans un centre d'échographie spécialisé pour réaliser le prélèvement avec une aiguille d'une minime quantité de liquide amniotique ou d'un très petit fragment de placenta, qu'on appelle aussi le trophoblaste. C'est la seule façon de confirmer que l'enfant a ou non la trisomie 21. Entre ces deux estimations, on dit que votre risque est intermédiaire. Par sécurité, même s'il est très peu probable que votre bébé ait une trisomie, on vous propose une prise de sang complémentaire qui est prise en charge par l'assurance maladie. Certains parents choisissent aussi cette solution pour un risque considéré comme élevé. Ce dépistage est complexe. Il est normal de se poser des questions. N'hésitez pas à en parler à votre sage-femme ou à votre médecin.